Bonjour tout le monde, je sais que beaucoup ont vu déjà cette vidéo-là, ok? Donc je vais vous montrer. Ici, on dit un millionnaire et ses acolytes pratiquent des sacrifices humains ont été arrêtés. Les sacrifices humains, ce sont des pratiques du fétiche. Dans le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Dans le fétiche, si tu veux être riche, le diable va te demander les sacrifices humains pour devenir riche. Ça, c'est la richesse diabolique, quoi. C'est la richesse du diable. On demande, comment on appelle, on demande, la richesse du diable demande le sang. Humain, les sangs humains, le sang des humains, sacrifices humains. Donc, ce sont des pratiques rituelles, des pratiques sataniques, des pratiques du fétiche. OK? Donc, avant de vous montrer tout ça là, je vais vous lire la parole et puis on va continuer avec. Comme on appelle la vidéo et les images, ok? Donc, voici ce que la parole dit. Parce que j'ai entendu, ben, il parle en anglais, ok? J'ai entendu le monsieur dire que j'ai péché, comment on appelle, ses complices là. Il y a un qui a dit que j'ai péché devant mon Dieu, devant le Dieu, ok? Il a péché devant Dieu et il demande pardon, ok? Il y a un qui a dit ça. Donc, avant de... Moi, je fais ça pour les gens souvent qui sont tentés et lui, il a été tenté. Il devait dire non, il devait résister à la tentation. Mais lorsque vous avez les informations que je vais vous donner, si quelqu'un vous fait des propositions comme ça, vous êtes prêt à dire non. Lorsque vous n'êtes pas prêt, ok? Peut-être il a été trompé. On ne nous dit pas comment ils ont été trompés et puis se sont engagés dans les choses comme ça. Mais il faut avoir la connaissance. Donc, je vous apporte cette connaissance-là que Dieu m'a montrée, ok? Dans la parole, ok? La Sainte Bible. Dans la parole, dans Proverbe 1, verset 8. On dit ici, mon fils, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les conseils de ta mère. Ils seront comme une parure gracieuse sur ta tête, ou un collier autour de ton cou. Mon fils, si de mauvais garçon essaie de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Ok? Si c'est comme si les gens viennent te proposer, écoute, va tuer les gens, fais ceci pour devenir riche, fais cela, on va donner ton pas. La parole te dit de dire non. Ok? Ok? Ils pourront te dire, viens avec nous. Allons guetter le passage des gens pour les tuer. Attaquons par surprise même ceux qui ne nous ont rien fait. Rien fait de mal. OK? Prenons les biens vivants pour les détruire et les envoyer d'un seul coup dans la tombe comme si nous étions la mort elle-même. OK? Emparons-nous de toutes sortes d'objets précieux pour en remplir nos maisons. Viens, tu en auras ta part. Nous ferons bourse commune. OK, mon fils, ne va pas avec des gens pareils. Éloigne-toi de leur chemin. La parole te prévient ici. Et loin, si quelqu'un te propose des trucs sataniques comme ça, parce que
lui qui a dit qu'il a péché contre Dieu là, c'est lui qui, en tout cas, je ne sais pas, il a dit qu'il coupe la tête, il découpe la tête, en tout cas, ce sont des trucs horribles, quoi. C'est vraiment terrible, quoi. Et il donne ça au millionnaire, au monsieur, son boss, ok? Donc, c'est lui qui fait ça, ok? Et lui, il demande pardon à Dieu, ok? Donc, avant de rentrer dans ces choses comme ça, il faut savoir que le fétiche, je vous dis toujours, le fétiche là, c'est satanique. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Il va toujours demander le sang humain, il va toujours demander les sacrifices humains. Ok, donc, lorsqu'on te propose des choses, toi-même, tu sais que ce n'est pas normal, c'est diabolique. C'est à toi de dire non. Lorsque tu dis non au diable, il perd sa force. C'est ce que je dis dans mes... Lorsque tu dis non au diable, tu as le pouvoir de dire non, de résister. Dis non, moi, je ne vais pas faire ça. Si tu dis non, il va perdre sa force. Ok, donc, je vais vous montrer la vidéo. Ok. Rashid Ajibade was arrested last week by the police for being in possession of fresh human parts, which he claimed were meant to be used for many rituals for one Alpha Olongbebe. Men of the Osun State Police Command swung into action, and eventually Isiaka Akonde, also known as Alpha Olongbebe, was arrested. Ajibade and Akonde explained how they severed the body parts of their victim. So now tell me that I should remove the head. C'est lui qui dit qu'il enlève la tête. It was the one that separated the remaining one. Ajibade cut the head and severed the private part while I cut the palm. I know I have sinned against God. C'est lui qui dit qu'il a péché contre Dieu. Et il demande pardon. A visit to Akande's Agba country home in Borikwe local government area of Osun State brought out more revelations. Behind me is the building. Regardez tout ça là. Ok, regardez sa maison, regardez l'argent, ok, c'est ça là qui rend les gens malades, tout l'argent, on ne sait même pas comment il a eu l'argent comme ça, en sacrifiant, en tout cas ça doit être le diable, mais nous, il devait nous expliquer où l'argent là, peut-être il y a un serpent qui vomit ça, on ne sait pas. Oh Seigneur. Tout ça là, rempli d'argent. Sacrifice humain. Okay, je vais passer à l'autre. Autre chose. Rashid Ajibade was arrested last week by the police for being in possession of fresh human parts, which he claimed were meant to be used for many rituals for one Alpha Olongbebe. Men of the Osun State Police Command swung into action, and eventually Isiaka Akonde, also known as Alpha Olongbebe, was arrested. Ajibade and Akonde explained how they severed the body parts of their victim. So now tell me that I should remove the head. So when I remove the head, I give him the knife. It was the one that separated the remaining one. Ajibade cut the head and severed the private part while I cut the palm. I know I have sinned against God, and I ask for forgiveness. A visit to Akande's Agba country home in Borikwe local government area of Osun State brought out more revelations. Behind me is the building where the suspect lives, and this is where he also keeps his victims. At least 12 of them have been evacuated from this building. Yeah, 12 victims, okay? Ceux qui ne sont pas morts. Killed her for money rituals.
Voici une qui est attachée là. C'est terrible quoi. They were in chains and kept in this filthy environment where they are obviously dehumanized. One of the victims is carrying a Akande's baby, and the one he killed had earlier been pregnant for him. L'autre, il a senti une femme parmi eux. Cut open, and the remains buried. Seigneur. En tout cas, c'est ça. Les gens sont tellement endormis, ok? Ils sont endormis à cause d'argent. À cause de l'argent, tu vas tuer ton semblable. Vraiment. Hein? Que Dieu les délivre du diable, du péché, vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est triste pour les gens. C'est pour cela que la parole nous dit, priez sans cesse. Priez en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Vous avez vu les gens qui ont été ces victimes, 12 victimes, enchaînées comme ça pendant, on ne sait même pas combien d'années, combien de mois. Ok, donc c'est un peu de connaissance que je connais là, je voulais partager. Faites attention, le diable vient toujours, lorsqu'il vient, il utilise les gens pour te faire des propositions. Mais c'est à toi de résister à ces propositions, c'est à toi de dire non, c'est ce que la parole dit ici. Donc c'est pour apporter un peu de connaissance. Là, comme ça, si quelqu'un vous parle de l'argent, il faut bien se renseigner comment il reçoit cet argent et tout. Et vous allez dire non, si ce sont des choses comme ça, que Dieu vous bénisse. Bye.